Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à SmugglerRun sur PlayStation 2, un des jeux sortis quasiment au moment de la sortie de la console. De toute façon, on pouvait le voir déjà au niveau de la date en étant 2000, hein. Je rappelle que la PlayStation 2 est sortie en 2000, en tout cas au Japon, et un petit peu plus tard en France, enfin en Europe. Du coup, Smuggler Mission, chasse gardée, virée, option. Alors, on va voir les options déjà. Alors je découvre le jeu en même temps que vous la première fois, je ne sais même pas comment ça va se passer, je n'y ai jamais joué complètement. Je vais jouer à Wild Wild Racing, un truc comme ça. Ça me faisait penser à ça, mais bon apparemment c'est totalement différent. Alors on peut changer les programmes de son, de la langue, les configurations manette 1, manette 2. On va juste voir les contrôles. Donc apparemment on peut donc regarder en arrière, rétrograder avec les L1 et L2. Rapport supérieur, klaxonner. Oula, alors attendez, on accélère avec triangle. Ah oui, on peut accélérer aussi avec la croix. Ok. On peut utiliser le frein à main avec rond. Carré, c'est frayé, donc c'est tout à fait classique. Klaxonner, tourner. Nanana. Ok. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On va regarder comme ça. Regardez ce maniement. On va revenir en arrière. Les options de manette, tout ce qu'on a hein, pour le moment. Et on a donc trois modes de jeu si je comprends bien. On a les Smuggler Mission, donc ton but c'est être le meilleur, ton secteur, l'univers sombre et illicite de la contrebande internationale, toute une série de missions t'attendent. La chasse gardée, de l'action instantanée, plonge à l'action dans les modes escroquerie, contrebande, chasse au trésor et au checkpoint dans n'importe lesquels les trois environnements. Et un mode viré, donc ça choisit une voiture, un niveau, c'est une boucle qui met ta ceinture. Enfin, il virait pour commencer, pour découvrir un petit peu, on joue à deux. On pourrait s'en jouer tout seul. Et on va donc pouvoir découvrir un niveau. Donc on a un niveau dans la forêt. On a le désert, la neige. Mais écoute, on va commencer par la forêt. Puis on verra un petit peu au fur et à mesure du jeu. Donc on a une idée d'équipe apparemment. Donc on peut choisir les exclus, les A20. Alors il explique un petit peu en bas ce que c'est. Par exemple, organisation paramilitaire communiste latino-américaine, dominée par le culte de la personnalité. Voilà, donc plusieurs équipes. Je sais pas si c'est une influence. Je pense que c'est juste des couleurs, j'ai l'impression. Oui, c'est des tags en fait sur les voitures. Par contre, j'ai remarqué que sur le même modèle, ça change un petit peu les trucs. Si on met voilà, un type de véhicule et que l'on reprend les équipes, ça va un petit peu améliorer les choses. Par exemple, voilà les exclus VLT. On a un camion trophy, on a une voiture de rallye, on a un camion massif, véhicule militaire, buggy. C'est plutôt sympa. On va prendre un buggy pour commencer, parce que c'est à peu près ce qu'on voit le plus souvent dans ce jeu. Donc du coup on va découvrir un petit peu le maniement. Et voilà la carte. Alors je sais pas si c'est la carte entière du jeu ou si c'est la carte vraiment de ce monde. Ça m'a l'air assez grand quand même. On va voir si c'est vraiment ça. On a fait du chargement. Voilà. Chargement qui m'ont l'air peut-être un petit peu long, mais si la map est grande, à la limite, c'est pas trop grave. Ah bah oui. Ah bah voilà. Ah bah là c'est un mode donc mode viré, donc je fais un petit peu ce que je veux. On va découvrir un petit peu le maniement et tout ça. Alors, au niveau du maniement c'est assez directique. Attendez, il y a un piéton en 3 dimensions. Ah, on peut pas le toucher. Regardez, on va pas le toucher, il va faire le tour. Allez, on va t'envoyer dans l'eau. Vas-y, c'est parti. Ouais, je suis sûr qu'il peut aller dans l'eau. Je suis sûr que si je le pousse, je peux l'envoyer dans l'eau. Attendez, c'est vraiment pour rigoler, mais... Oh, il peut même traverser le truc quoi. Bon, apparemment, il me suit. Bon, c'est parfait. Alors, on va faire marche arrière. La marche arrière, comment on fait? Parce que là, du coup, j'ai pas fait gaffe. C'est triangle. D'accord, ok, c'est triangle. On va un petit peu découvrir la map. Enfin, en tout cas, cette partie de map. Là, on a un petit checkpoint, point de contrôle. Évidemment, je pense qu'on peut aller où on veut. Sinon, ça serait pas intéressant. Ouais, c'est quand même assez cool. Donc, la map a l'air. On a une petite carte, hein, et vous l'avez vu en bas à droite, et on peut se balader où on le souhaite. Alors le buggy est ultra réactif, regardez le mouvement des roues quand je touche. Alors évidemment je peux utiliser l'analogique, hein. Je suis pas forcément obligé de passer par les flèches, mais vous connaissez, j'ai tendance surtout à passer par les flèches. Donc du coup ça rend le truc pas très précis. Mais bon, alors on a un petit train, c'est cool, on peut même le dépasser si on veut. Oh, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête devant le train, tiens. Allez, on va s'arrêter devant. Ouh, ah mais il m'a complètement démoli là. Il m'a complètement démoli, mais le véhicule s'est réinitialisé automatiquement. On a des immenses montagnes, alors ça fait penser à Autocross Madness. Bon, pour limiter la fin du terrain, bah, en fait on avait des montagnes qui étaient totalement infranchissables. Voilà, c'est une manière de dire le monde est terminé, débrouillez-vous avec ça, mais on n'a pas un mur invisible, on a vraiment de vraies montagnes pour stopper ça.
Alors, on renseigne un petit peu les décors. Et... Oh, regardez, il y a même une. Même un animal. On va pas laisser l'écraser. Enfin, si j'aurais voulu, je pense que je pourrais pas. On a donc. Une petite bosse. Voilà. Alors, je vais regarder si le menu, on peut changer la vue. Oui, on peut changer la vue avec Select. Voilà, donc on peut. On va une vue un petit peu rapprochée. Voilà, comme ça là. Oh, ça là est assez immersive. Ah, c'est dommage, j'ai pas de vue un petit peu cockpit. Mais regardez. Ouh. Oh, allez. Ah, je suis parti en tête à queue. Mais bon. Alors, on a des véhicules aussi, donc il y a l'air d'avoir un petit peu d'animation sur la map, donc ça c'est vraiment bien. C'est pas une map où il n'y a rien, où c'est assez vide. Il y a quand même un petit peu de gens, il y a quand même des voitures. C'est assez sympa. Si je vais dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que si je vais dans l'eau, c'est mort. Non? Non, non, ça va. Ça a l'air d'être bon. En plus, ils ont gardé le niveau d'eau assez élevé pour pouvoir quand même repartir et pas être totalement submergé. Donc, on peut passer par l'eau. Ok, jusque là c'est pas mal. Au niveau des graphiques, bon ça c'est simple, on est en 2000 hein, je rappelle, donc c'est quand même cool. Bah, franchement je trouve que le... Ah, on a perdu le capot. Petit détail graphique sympa, on a un petit saut là. Là ça sert à rien, je peux utiliser klaxon avec la flèche et je peux casser les rochers. Enfin, c'est quand même... Là on part vraiment bien, hein, sincèrement déjà le jeu de base a l'air assez complet. Au niveau physique, au niveau de l'environnement, au niveau de l'univers, ça a l'air quand même vraiment, vraiment sympa. Bah, je vous avoue que si j'avais eu ce jeu à l'époque, je pense que... j'aurais peut-être passé ma vie déjà dans ce mode de jeu, parce que sincèrement, c'est assez open world et c'est vraiment vraiment sympa. Bon, on va quitter ce mode de jeu, on va passer... bah pour moi il y a une mission, mais je pense pas qu'il y ait une mission vraiment, parce qu'on a un mode viré. Je vous laisse un petit peu l'attention sur les sonorités de menu qui sont assez bizarres. Et surtout qu'en plus, regarde, on a la forêt, on a le désert de neige, on a trois niveaux entiers, donc c'est quand même assez grand. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose de sympa. On peut faire une virée en deux joueurs en plus, donc ça peut être assez cool. Allez, on va faire de la chasse gardée, on va découvrir un petit peu les modes de jeu, on va prendre un joueur. Alors, on a escroquerie et contrebande, c'est-à-dire mêlée générale, des marchandises à récupérer puis à livrer, ça a l'air simple. On verra si tu y arrives. Donc j'ai l'impression que oui, voilà, c'est un petit peu comme... je sais pas, pour y avoir par exemple une mission taxi dans GTA, c'est-à-dire qu'en gros vous prenez quelqu'un, vous le déposez, et puis vous allez voir la suivante, etc. Chasse au trésor. Deux on s'affronte, c'est le test ultime, tout un haut de marchandises, deux équipes pour le coup, ramène dans un maximum à ta planque. Les checkpoints. Donc là c'est tout un groupe de véhicules qui s'affrontent et qui se battent contre la montre, il n'y a qu'un vainqueur. Ok. On va faire le tout premier, enfin le troisième du coup. On va changer d'environnement, on prend le désert pour voir un petit peu si c'est vraiment différent. On va prendre quoi? Allez, on va prendre un tir de rallye, tiens. Allez, c'est parti. On va essayer de voir un petit peu tous les véhicules, s'il y a vraiment une physique différente. Je pense que oui, quand même, sinon je verrais pas trop l'intérêt d'avoir mis des véhicules vraiment, vraiment différents entre eux. Donc voici les checkpoints, apparemment, il y en a 4. Donc j'imagine qu'il faut aller les chercher à chaque fois. Je sais pas si on se bat avec des armes dans ce jeu. Possiblement oui, possiblement non. Est-ce que ça va ressembler à un Vigilante 8 ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Alors, le chargement, voilà, il est terminé. Ok. Donc, bah là, c'est une course au checkpoint. Donc, en fait, je pense que le premier arrivé jusqu'à la fin a gagné. Donc, il faut passer par tous les checkpoints. Alors, le désert. Si vous êtes un petit peu attentif, vous remarquerez que... En plus, il y a quelqu'un qui me parle. Ça, c'est cool. Vous remarquerez qu'en plus, j'ai raté le checkpoint. Voilà, fonce au prochain checkpoint. Oui, si vous êtes un petit peu attentif, vous remarquerez qu'il y a un petit peu de mid-mapping. Enfin, disons que les textures, elles s'affichent un petit peu au fur et à mesure. Enfin, elles sont assez floues, elles deviennent assez précises au fur et à mesure. C'est classique, hein, c'est du mid-mapping. Mais c'est assez visible. Bon, là, je vais passer par là. Je pense que je vais tracer nul, sincèrement. J'ai pas l'impression que je vais avoir un niveau suffisant pour ce jeu, mais... On va quand même voir. On peut voir qu'il y a aussi quelques dégâts qui sont... quelques débris de voitures hein, sur la piste. Il y a des voitures qui ont dû se trop choquer. On est 8ème, donc il y a 8 voitures contre nous. Un chiffre, ma foi, fort correct. Ah, c'est pas évident, hein, mine de rien. Il faut gérer un petit peu les sauts, là. Oh là, mon dieu, j'ai l'impression de tout casser avec la voiture. On va faire après un checkpoint. On va passer par l'extérieur. Non, ça marche pas. Oh là là, bon sang. Bon sang. Alors, elle est pas très facile à conduire, ça. Je vous avoue, franchement, elle a l'air rapide. Elle a l'air rapide. Elle avait l'air rapide. Je suis vraiment... Regardez, je tape tout, je casse tout avec cette voiture. On va passer, voilà, peut-être par là. Alors, il y a une flèche, évidemment, pour indiquer où aller. Donc, je suis... Potentiellement, je peux passer par où je veux. Si je vais vraiment le trajet, la trajectoire de base. Et si je veux, je peux aller complètement couper d'un autre côté, si ça se trouve, et gagner du temps.
Seulement, je suis tellement mauvais que je pense que ça serait encore pire d'aller chercher à l'extérieur. Regardez là, j'ai su. Il a su beaucoup de temps. Ah oui, en plus, on a le checkpoint, j'ai pas fait gaffe. Ton but, c'est de gagner de l'argent. Ça va pas se faire tout seul. En plus, je me fais limite réprimander. Donc, j'ai terminé le dernier. On va la faire une dernière fois, voilà, parce qu'elle est pas trop longue. Ah, ça parle en anglais d'un coup. Donc voilà, on va essayer de finir un peu mieux. Mais je pense que je vais pas y arriver parce que l'IA a l'air quand même. Regardez, l'IA a l'air assez forte. Et en plus, si je loupe chaque fois le checkpoint. Si je loupe ça, on va voir si on peut faire mieux. Regardez, on a l'IA qui a perdu un peu son capot. Alors il faut vraiment gérer les boss, hein, mine de rien. Il faut pas aller comme un bourrin, j'ai l'impression, parce que regardez, on casse vraiment son véhicule en retombant sur les boss. Ça c'est franchement un genre de détail graphique qui fait vraiment plaisir. Parce que c'est pas partout qu'on voit ça. Je vais passer par là. Voilà, j'ai failli me prendre tout. On a un Monster Truck qui est parti en tonneau. Vous voyez là par exemple, c'est vraiment difficile à gérer. On a des petites bosses. Et ça renvoie le véhicule un peu n'importe comment. Alors j'essaie de faire doucement. Tant pis, pour éviter de me manger tout. Et va jusqu'au prochain checkpoint. Voilà, ça passe. Le souvenir, faut faire attention ici. Voilà. On va passer par là. Et j'entends déjà l'IA sur le côté hein, qui est en train de me rattraper. Ouais, par exemple, là j'ai tapé l'avant en la retombée et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et limite, ça m'a cassé un petit peu le véhicule. Oh là là, attention, l'IA qui me percute et qui me ressort à nouveau. Oh là, l'IA qui est vraiment rentre dedans. Hein. Oh mon dieu. Et voilà, et je vais terminer 7ème sur 8 parce que bah je me suis fait totalement sortir. Fais un peu attention à ta voiture. Ah bah je suis peut-être pas dernier, attendez. Ouais, c'est bon. Ton but c'est de gagner de l'argent, ça va pas se faire tout seul. Alors bon, on redit la même chose. Bon, c'était un petit peu mieux, mais c'était quand même pas ça. Ça a l'air vraiment pas facile. Vraiment, là j'ai essayé d'être assez correct, j'ai pas forcément je trouve perdu de temps, si ce n'est peut-être un ou deux fois, mais quand même terminer avant-dernier ça fait mal. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe du checkpoint. On va faire la chasse au trésor. Avec deux gangs qui s'affrontent. Ok, on va voir ce que ça donne. On va mettre la neige. Comme ça, au moins, on aura des coups. Alors. Donc, c'est deux clans. Donc, on va évidemment choisir le joueur, nos exclus, comme d'habitude. On va prendre quoi comme type de véhicule cette fois-ci? Non, la voiture, elle est bien, mais elle a l'air un petit peu trop. Sujette au boss, donc on va prendre un véhicule un petit peu entre deux. On va prendre un véhicule militaire avec les Québécois, les Canadiens et francophones qui se battent pour la liberté et qui font horreur de tout ce qui est anglais. Ils se servent de contrebande pour financer leur opération politique. Donc là, on va prendre pas les Québécois, désolé, on va prendre la patrouille pour une fois. Et on va voir les équipiers. Alors l'équipier, on va mettre par exemple, j'ai de prendre des véhicules un peu plus gros, enfin un Cayenne Trophy. On va leur mettre un VLT. Et on va leur mettre un camion massif. Je pense que ça peut être pas mal. Donc vous voyez, toute l'équipe sera en mode patrouille. Donc on va faire OK. Et voilà la map du coup dans la neige que l'on va découvrir aussi. Je sais pas si on peut débloquer peut-être une troisième map, une quatrième map pardon, je n'ai aucune idée de ça. Je pense qu'il y a peut-être des choses à débloquer dans ce jeu, en général c'est souvent le cas puisque... J'ai vraiment vu des jeux où on débloque rien. En tout cas, les maps ont l'air assez grandes. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Parce que ça va rajouter quand même un petit plus au jeu. Surtout s'il y a plusieurs missions de contrebande, etc. différentes, je pense qu'il faut des maps assez grandes pour avoir pas toujours les mêmes décors et faire vite le tour. Ça paraît logique. Il y en a encore, on dirait bien que c'est Noël. Le traîneau du Père Noël a eu un petit accident. Il y a des cadeaux pour tout le monde. Les gars, les charognards ne sont pas loin. Va récupérer tout ce que tu peux. Ok, donc là on va récupérer, donc on a une équipe contre nous, on va récupérer la contrebande qui est là, l'euro sur 18. Et on a la contrebande, et on a les mecs en rouge, donc il va falloir récupérer ce qu'ils ont. Ah, on a perdu de la marchandise. Attendez, on a perdu la marchandise. Oh, viens ici toi. Voilà, on va récupérer ça. Attention, l'IA va me sortir la contrebande. Il va essayer de me la récupérer, hein. Donc on va passer par là. Oh le saut. Et complètement parti à la... Voilà, on va récupérer la contrebande, marchandises livrées. Et on va récupérer du chargement
à nouveau. Donc là on va faire des allers-retours hein, concrètement. Voilà, point de récupération et coéquipier, ok, point de récupération et coéquipier. On va aller chercher le prochain. Oh le bruit qu'elle fait. Voilà, j'ai fait marchandise transférée, c'est parfait. On va aller renvoyer à nouveau ça. Oh attention, oh, il y avait un rocher. Aïe, je l'ai pas vu. On va essayer d'en mettre une là. Et voilà, marchandise livrée, ça fait plaisir. Apparemment il y en a une là. Marchandise transférée. Hop. Alors je les pique à mes équipiers en fait, c'est un peu bête, mais bon. Il faut vraiment que je les pique à l'équipe adverse plutôt que les piquer à mes propres. Oh ! Ah, il y en a encore. Il y en a encore. Alors attendez, oui, effectivement, quand. Voilà, on va aller chercher les marchandises là-bas. Alors qu'il y a un chat, ma fête, coucou le chat. Miaou miaou. Alors. Oui, quand même. Alors, toute l'équipe rouge a l'air d'avoir des petits véhicules, par contre, comparé à nous. Il fait qu'ils sont beaucoup plus rapides, mais par contre, quand on les touche, bah, logiquement, on devrait plus les impacter que eux. Là, par exemple, les rouges, là, ils en ont un. Ah ! On va aller chercher le. J'ai bien envie d'aller chercher lui, là. Oh, viens là, toi. Voilà, on lui a piqué la marchandise, ça c'est cool. Par contre, oui, il se fait reprendre la marchandise, mon équipier, par rapport à un autre véhicule. Attention. Ouais, c'est bon, ça se passe beaucoup mieux cette fois-ci. Hé ! Il a récupéré la marchandise, bon, c'est pas grave, puisqu'il a, il l'a pris aussi. Voilà, 8. Sur 18. Oh, regarde, on a même des voitures bah, de civils, hein, on va dire hein, ça comme ça. On va plutôt passer par là parce qu'à chaque fois je. À chaque fois je détruis le véhicule en. En me plantant en cet endroit. Ah, l'IA elle est gentille, mais. Eh, on est coéquipier là, hein, attention. Oh, je suis passé au-dessus de lui, j'ai l'impression. Voilà, marchandise récupérée. On va aller chercher la marchandise et on va la ramener. Attention, on va pas toucher l'IA. Bah, l'IA a touché les adversaires. On va passer par là. Écoutez, on va pas s'embêter. Hein. Regardez, hop. Ici, attention au saut. Olé. Ah, c'était un beau raccourci, ça, ça fait plaisir. Voilà, et hop. Marchandise livrée. Et on va embêter lui. Voilà. Allez, on va embêter les adversaires. Donc là, on est à 11 sur 18. Donc il faut que j'arrive jusqu'à 18 pour gagner. Alors je sais pas, par contre, j'ai un petit peu à comprendre. Est-ce que l'IA. Enfin, l'IA, est-ce que les adversaires ont eux de leur côté aussi un compteur ou pas? Je sais pas trop. Ah, lui, pardon, on va y embêter. Voilà. Marchandises volées. On va aller la ramener. Ah oui, vous avez compris, en fait, eux les amènent au point bleu, nous les amènent au point rouge, j'ai pas fait trop attention à ça. Et je me suis complètement loupé. Voilà, marche arrière. Ah, ils vont vite, hein. Oh, ils vont vite. Oh, les salauds. Oh là là, j'aurais bien voulu les stopper dans leur remontée. Ah, ils sont quand même rapides les bougres. Bon, ça, pour l'instant, c'est nous qui avons les. Voilà, c'est le bleu, hein, faut que j'aille récupérer. Aïe, marchandise transférée, ça c'est bien. Allez, nous on va aller envoyer ça chez nous. Bon, je pense pas qu'on puisse gagner parce que j'ai l'impression qu'on a quand même perdu pas mal de temps. Oh là là, alors la voiture va être démolie. Oh là là, mon dieu. Ils sont énervés quand même les alliés là, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va embêter un peu l'équipe, il en reste plus que 4. Mais je sens que l'IA va... enfin les adversaires vont nous battre. Je pense qu'on est un petit peu trop lent. Enfin, les bleus sont là. On va essayer de les empêcher de les prendre. Yes! Oh non! Je lui ai redonné. On va essayer de le récupérer. Oh, il est là le bleu. Non!
Oh, pourtant je l'avais récupéré. Ah si, c'est bon. Non, c'est bon, non. Où est Lia? Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là. Non! Ah mais en fait je l'ai redonné, donc c'est bon. Ok, on va le récupérer. Voilà, le temps perdu. On est 15 sur 18. Voilà, 17, il en reste plus qu'un. Donc je vais essayer de le empêcher de mettre Lia le dernier. Et on a gagné. Finalement on a gagné. Mais tu... Ah, c'est dommage, ils ont coupé avant. Donc on a gagné quand même 1,7 million. Ils ont gagné 998. Je sais qu'ils en auraient livré beaucoup plus. En attendant, ça s'est bien passé. Donc on a réussi. Donc on va pouvoir vous montrer le... Enfin, je vais pouvoir vous montrer le niveau escroquerie et contrebande, parce qu'on a fait la chasse au trésor. On va remettre la forêt. On va garder les O'Grady's, on va prendre par exemple. Allez, c'est parti, on va prendre un camion massif, véhicule militaire, buggy. On va prendre le VLT, comme ça on aura fait à peu près tout. Alors j'ai quand même l'impression, vous voyez, on a un petit rectangle orange, donc ça sous-entend, je pense que la map est limitée à cette zone, et que les autres zones, ben, on peut y accéder peut-être plus tard. En tout cas, le jeu est quand même plutôt sympa. Vraiment, je trouve qu'au niveau, au niveau technique, il est quand même assez cool. Récupérez les marchandises et vous les livrez à bon port. Rien de bien méchant. Allez, au boulot. Essaye de rattraper le temps perdu. Ah, moi, bon, je l'ai perdu. Je l'avais il y a 30 secondes, je les ai reperdus derrière. Oh là, je fais n'importe quoi. Il est où, sa marchandise? Il est où? Il est là-bas. Oh, il va la ramener. Il y a une caravane. Donc en fait voilà, on y récupère la marchandise et après il va falloir l'empêcher de l'envoyer. Non, j'ai pas réussi. Bon, du coup on va aller chercher la prochaine marchandise. Ça a l'air quand même assez compliqué. Il y a quand même pas mal de monde, hein. On doit être au moins 8 pour récupérer par l'adversaire. On va aller. Voilà, là voler ça c'est bien. Et je vais le reperdre. Je vais le reperdre, je le savais. Je suis rentré dans comme un bœuf. Fini, hein, le laisse plus tomber. Ok. Alors là, faut que je fasse attention. Alors attention, il y a une voiture de civil sur le côté. Oh, je vais louper. J'ai loupé le point de contrôle. C'est bon, on a réussi. Du coup, on va aller chercher le prochain chargement. Alors les chargements ont l'air d'être toujours quasiment au même endroit. Enfin, on va dire dans cette zone. Ah non, c'est un petit peu plus loin cette fois-ci. Ah, sauf que c'est l'IA qui va récupérer ce point-là. Attention, on va essayer de le taper. Ouais, c'est bon. Allez, à nous deux. On va rusher sur le point rouge. Bon, les décors sont quand même assez... comment dire, il y a quand même pas mal de vide. Oh, regardez, là, par exemple, là, je me fais avoir... Il y a le... Oh, j'ai quand même réussi à percuter un animal. Les décors sont un petit peu vides, quand même. Il n'y a pas beaucoup de détails au niveau... niveau visuel, en tout cas sur la... Ouais, il n'y a pas d'herbe, etc. Oh là là, je suis là plutôt. Et du coup, on va aller chercher le point. C'est l'IA qui l'a. Alors, je sais pas où il va aller, lui. Il va aller dans l'eau. Non, il va aller dans l'eau. Allez, c'est peut-être un bon plan pour lui, mais... Aïe. Ah, le point rouge est là-bas. L'avantage, c'est qu'on sait à peu près où se trouvent les points de rassemblement. Ah, ils sont tous dans le... Ok. Ils sont tous là-bas. Moi, je vais me planter lamentablement. On va essayer de se retourner. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut un petit peu gérer la rotation du véhicule. Voilà, il est reparti. Donc, on peut voir où ils veulent le porter. Donc, si on rush sur le point avant eux, on a peut-être une chance de le récupérer. Là, ça sert à rien. Oh non. Non, c'est bon. Je vais avoir peut-être de la vitesse pour le récupérer. Ah, ça va être compliqué. L'IA qui fait le tour. Non, j'ai loupé. Du coup, il a récupéré la contrebande. Et c'est le premier arrivé à 5, comme vous pouvez le voir. Alors, on a un temps limite, hein, 1 minute 56. Je suis passé dans l'eau, je pense que c'était pas le bon principe. Mais quoi, si ça va passer. Ah, c'est l'IA qui l'a récupéré. Oh mon dieu.
On a récupéré la marchandise. On l'a eu, on l'a eu. On a réussi à l'avoir. Il m'a roulé dessus complètement. C'est parfait. Du coup, je vais pouvoir le mettre là. Sans pas se tromper. Parfait, marchandise livrée. On va pouvoir aller la chercher là-bas. Ce qui est bien, c'est que quand on est... C'est nous qui livrons la marchandise. On a quand même un petit temps d'avance. C'est-à-dire qu'en gros, comme on est sur la lancée, on a un peu de vitesse. Alors là, l'IA va essayer de nous prendre, ça c'est une évidence. Attention, hop là, on les a esquivés. Et on va aller la ramener là-bas. On sait bien, c'est qu'on se rapproche du but, on est à 4 sur 5 maintenant. Tu veux une médaille ? Prochain chargement est plus vite que ça. Alors elle est toujours un peu énervée quand même. Alors que je suis en train de, je pense, d'être en tête du classement. La suivante maintenant, file. Alors je vois pas où est l'IA, elle est là-bas. Alors le fait de naviguer un petit peu dans le village, ça évite... quelques problèmes. Voilà. Ça va. Elle est gentille quand même. Bon. 487 000. Donc du coup, on a gagné. Voilà, on a réussi la mission. Donc on a réussi les trois, enfin deux modes de jeu sur trois. Du coup, je vais vous montrer le mode, le vrai mode en fait, le mode smuggler en fait. On va faire smuggler mission. Allez, c'est parti. On va faire continuer sans sauvegarder, puisqu'on n'a pas de carte mort, enfin en tout cas pas assez de blocs disponibles. Alors voyons un peu ce dont tu es capable. Suis la flèche de navigation sur notre petit terrain de jeu et va aussi vite que possible. D'accord, c'est parti. Alors on s'est un petit peu entraîné avant, c'est déjà un petit peu l'avantage. Le VLT est quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien ce véhicule en fait. On va regarder. On va regarder la transmission automatique. Alors évidemment on peut se mettre en manuel hein, si on a envie. Je pense pas que ça change grand chose dans ce type de jeu, si ce n'est peut-être un peu plus de reprises des fois en montée si on fait tomber les vitesses. Mais bon, je pense pas que ce soit le genre de jeu assez simulation pour s'embêter à mettre la boîte en manuel. Tous les aléas en piste. Alors, c'est parti. Dépêche, ici on s'en fout de l'endurance, c'est la vitesse qui compte. Ok. Plus vite, plus vite, plus vite, c'est ce qu'on entend toujours, hein. Ce qu'on entend toujours, hein. Ah, j'ai cru qu'elle parlait avec l'accent ch'ti et tout, là. Là, tu peux le faire. Ah, c'était drôle. Bon, alors, du coup... Allez, continue, encore. Oula, voilà. Allez, non, par contre, on peut vraiment toucher les gens, hein. Je pensais vraiment qu'ils allaient être limités façon Midnight Madness ou autre. Mais, non, non, pas du tout. Faut leur rentrer dedans. Ils prennent de ces collisions, les mecs, quoi. Enfin, bref. Donc du coup, on a réussi. On a gagné 1000$. Je sais pas quoi c'est l'argent. Je sais pas si on peut améliorer les véhicules. Je pense pas, parce que j'ai pas vu de caractéristiques sur les véhicules. On va voir. Alors, les exclus. Pas mal en vieux, tu débrouilles au volant. Voyons comment tu t'en sors pour les livraisons. T'inquiète pas, rien de compliqué. Il y a même pas de flics dans le coin. D'accord. Bon. Ah, ok. Bon, en gros, ça commence assez simpliste. Je garde le VLT, sincèrement je le trouve plutôt bien. Il est assez rapide, il est assez costaud, il réagit plutôt bien au boss. Alors effectivement quand on prend des chocs latéraux, il se renverse un peu plus facilement. Mais bon, je pense que c'est quand même un véhicule qui est correct. En tout cas pour le début. Je pense qu'après quand on est vraiment fort on utilise la voiture de rallye parce que ça a beaucoup plus. Mais quand même. Allez, on sait tous que t'aimes pas ça. Alors tu devras faire ce job en solo. Rien que toi. Récupère les marchandises et livre-les. La suivante maintenant, file. Ok, donc on a ouais, 48 secondes. Le temps est assez court, mais je pense que ce n'est pas trop compliqué. Voilà, marchandises livrées, on va aller chercher là-bas. Non, non, ah. Pas de pourboire. Fonce à la prochaine livraison. Bon, on va passer par la forêt alors. Qui est pas vraiment c'est là où il faut aller. Hop, pour voir, ok. Hop, prochaine livraison. Oh, je me suis retourné. Vous savez, quand même, on peut revenir assez vite hein, si on gère un peu le saut. Eh bien, à part quelques excès de vitesse, je crois qu'on a réussi et en beauté. Parfait. En tout cas, pour une fois, elle est contente. Donc, on va continuer. Grade excellent. Alors, on a des grades, donc je pense qu'on pourra faire l'émission en ayant les grades maximum. Si on a envie vraiment de faire le jeu en mode parfait. Alors, le secret est mensonge. C'est destiné à un gros. C'est destiné à un gros conglomérat industriel, mais c'est pas un truc illégal, pardon. Quelqu'un a volé des secrets à leur rivaux, des secrets compromettants. Il faut que tu récupères l'argent, puis que tu l'échanges contre des secrets, et enfin que tu les donnes à l'homme en question. Ok. Je dirais
dit ok, alors j'ai pas forcément compris, mais c'est pas grave de toute façon. Ah mais on a que deux choix au début. D'accord. Ok. Oui, donc en fait, potentiellement, on peut débloquer après notre type de véhicule. Donc on a deux checkpoints. Ok, j'ai un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire les triangles et ce que ça veut dire les ronds. Je pense qu'il y a des points où on va récupérer les colis et un point où on va les poser. J'imagine en tout cas que ça va être ça. Là, t'es tout seul. Tu joues tout seul. Ok. Je viens de me rappeler que je suis tout seul dans ma grotte quand même, mais c'est gentil. Donc du coup, du coup, on va récupérer ça. La suivante maintenant, file. Ok. Bon, l'avantage c'est que juste je suis la flèche en fait. Hein, j'ai pas l'impression. Alors vous voyez, il y a un petit carré blanc sur la map à droite. Enfin, si vous regardez un petit peu en arrière, vous revenez en arrière dans la vidéo. Il y avait une petite zone blanche. 1, 2, 3, file au prochain chargement. Et voilà, ce que j'allais dire, il y a une petite zone blanche, et en fait la zone blanche c'est les flics. Donc les flics vont nous embêter dans notre notre quête de... Ouais, il y a même un barrage. On a réussi à passer le barrage, ça c'est cool. Ils ont l'air rapides les flics en tout cas. Je les entends, ils ont l'air... Alors évidemment j'aurais pu passer par la mer. En tout cas, les voix sont quand même sympas. On va aller jusque là. Voilà, on a réussi. Il n'y a pas de médaille pour ce genre de choses. Mais s'il y en avait, t'en aurais une. T'en aurais une. Ah, c'est dommage, je coupe un petit peu. C'est dommage, je coupe la fin des phrases. Bon, on a réussi assez facilement. J'ai réussi à esquiver le truc. On a les flics, ça c'est bien. Ça c'est vraiment. Ça c'est pas mal, ça donne un petit peu de piment au jeu. Alors, je vous disais, je disais qu'on a les flics, mais j'ai pas l'impression, par exemple, qu'il y ait des bonus, des armes. Donc, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un jeu à la Vigilante 8 ou. Autre. Donc voilà, c'est quand même assez différent. Alors, une sortie spectaculaire. Même client, mais problème différent. Ils veulent qu'on déplace quelques pièces détachées. Le truc, c'est que c'est pas à eux. D'accord. Sors de la ville, récupère les pièces et dépose-les à centre-ville. Ensuite, il faudra que tu transportes un peu d'argent pour nous. Ok. Alors, je sais pas combien de missions il y a. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a celles qui sont listées en bas, hein, les 3, 4, etc. Si on fait à peu près la moyenne de la taille des missions, j'imagine que ça fait 10, c'est pas beaucoup. Mais potentiellement qu'il y en a plus, hein. Ça c'est par contre une inconnue. En tout cas, je sais pas vous, mais je trouve le jeu quand même assez plaisant. Vraiment, c'est une bonne découverte. C'est un jeu qui se veut fun et il est quand même assez fun. Franchement, il y a moyen de s'éclater. Tu dois te débrouiller seul. Récupère les marchandises et livre-les. Alors par exemple, vous voyez, on a des flics. Sauf que j'ai un temps limite. C'est-à-dire qu'en gros, je pourrais me dire, bon, à la limite, je sais d'esquiver les flics, etc. Dépêche-toi, on livre pas des pizzas, là. Mais le problème de ce genre de choses, c'est que si je m'amuse à essayer d'esquiver les flics, je prends pas la trajectoire idéale. Arrêtez donc. Votre véhicule. Ici, la patrouille de surveillance des frontières. Ah. Non, je suis désolé. Non, j'ai pas envie en fait. Mais ok. Enfin, tout ça pour dire que si je veux esquiver les flics, je pense que je peux un petit peu. Mais comme je suis pas sur la trajectoire idéale, en gros, ça devient un peu compliqué. Alors là, par exemple, faut que je trouve le bon passage pour éviter de casser le véhicule. Surtout que j'ai les voitures, voilà, j'ai les flics qui vont m'embêter. Et c'est un peu là où je suis content d'avoir pris un gros véhicule. Blup, blup. J'adore les sirènes de flics américaines. À chaque fois, il y a des bruits différents entre les tours de flics, mais j'ai jamais compris la signification. Il y en a même une là. Oh les. Oh le saut. Oh le saut totalement mal maîtrisé. Non non, je n'arrêterai pas. Aïe 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 aïe. Ah là il m'embête là par contre. Ah il m'embête vraiment. Oh là là, ils sont tous, attention. On va passer par l'eau. C'est pas grave. Regardez le nombre de flics qui sont à ma trousse. Ils ont mis un barrage mais ça sert à rien. On va quand même aller chercher notre dû là-bas. On va passer par le chemin de fer, hein. Je pense que c'est le plus... Votre conduite est dangereuse. Stoppez tout de suite. Ah là là, je suis un dangereux criminel. Ouh là là, je roule trop vite. Bien joué mon grand, bon travail. Et on a récupéré, du coup c'est l'hélicoptère qui va récupérer carrément l'argent. On va faire continuer. Ouais j'aime bien franchement, les flics aussi sont assez bien faits. Alors les flics évidemment ne vont pas vous arrêter vraiment, ils vont juste vous stopper dans votre élan et du coup ça va vous empêcher de finir la mission en temps réel, j'ai l'impression. Donc le but évidemment c'est de ne pas perdre de temps avec eux.
Il y a un petit nouveau dans le coin, un dealer d'armes qui n'aime pas trop payer les taxes d'importation et qui a perdu les marchandises. Il nous paye pour que l'on les retrouve, tout se passe bien jusqu'à présent, mais les O'Grady's sont pas loin, fonce et prouve que tu es le meilleur. Alors on a 36 minutes de vidéo, on va faire ça en équipe, ça c'est pas mal. Je vais leur mettre 2 VLT, je suis désolé, je pense que les VLT c'est quand même le mieux. Désolé, hein, j'ai pris mon parti pris là, sur cette mission. Parce que les petits buggy c'est bien, ça va vite, mais comme ils sont pas très forts, je pense qu'au moindre choc ils vont partir un peu n'importe comment. Donc on va éviter ce genre de véhicule. Et qu'est-ce que je disais? Oui, t'as 36 minutes, donc bon, on va pas faire une vidéo d'une heure entière. Mais en tout cas, voilà, à vous de juger bien entendu de la qualité du jeu. En tout cas, c'est un jeu que je recommande vraiment. C'est vraiment un jeu sympa. Donc là c'est du team contre team, on l'a fait tout à l'heure, donc du coup, voilà, je vais récupérer ça. Et le point bleu, ce sera l'équipe adverse, le point rouge, ce sera notre équipe. Tout simplement, ce sera comme tout à l'heure. La prochaine fois, t'es mort. Donc là, on va essayer de récupérer la marchandise. Ah, c'est Lia qui l'a récupéré, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai du mal à savoir où sont les trucs. Ok. Bon, il a récupéré. Pour récupérer par adversaire. Donc là, il va falloir le chercher lui. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé. Il va l'avoir. Aïe. Pour livraison d'équipier. Donc ça va, 3 sur 5. Finalement, l'IA, mes coéquipiers l'ont récupéré. Donc ils nous ont sauvés. Bon, c'est bien, c'est que l'IA nous aide un peu. Je veux dire, c'est. Ils ont tous loupé le point ou quoi? Ah, point récupération coéquipier. Donc on va essayer de les aider, voilà. On va essayer de l'aider. On va un petit peu gêner les autres adversaires, voilà. Comme ça, il va pouvoir. Oh non, il s'est loupé. C'est bon, il a récupéré à nouveau. Allez, je te fais confiance. Vas-y, toi, je vais te ralentir, comme ça au moins. Je te bloque. Oh non, il s'est loupé comme une merde, sans déconner. Je te jure, t'es mort. pas mal. Bon, allez, hop, vas-y. On va ton point, c'est le moment. Vas-y, on peut le faire. Ouais, 4 sur 5, parfait. On va récupérer le point vert. Alors, on peut pas donner d'ordre à ses équipiers. Et par exemple, potentiellement, c'est l'adversaire qui l'a récupéré. Non, j'ai loupé. C'est l'adversaire qui l'a... Il est parti où, ce point? Il est là. Ah, il va l'envoyer, il va réussir. Donc, du coup, on va faire vite une marche arrière. On va aller chercher le point. De notre côté, pour l'instant j'ai pas trop fait de récupération de points, c'est plutôt mes adversaires qui l'ont fait. On va récupérer là, le 4 sur 5 il est là. On va faire un peu le tour, on va un petit peu essayer de passer par la mer. Voilà, enfin, par la rivière. J'ai sorti la grand voile. Voilà, bon là j'étais un petit peu esselé, du coup ça va être facile. Voilà, mission accomplie. Je crois qu'on a réussi. Voilà, on a réussi plutôt bien, plutôt tranquillement, donc ça c'est bien. Donc on va faire continuer. On va voir un petit peu la prochaine mission. Je pense qu'on va faire dans la mission et puis on s'arrêtera là-dessus. Alors la prochaine mission, c'est à toute berzingue. On dirait que Mr. Big fréquente les O'Grady's depuis quelques temps. Il pense qu'ils sont les meilleurs que nous. Il veut voir notre nouvelle recrue les affronter autour des Eubanks Mountain. Des gros contrats sont à la clé pour les vainqueurs. Alors soit à la hauteur. Ok. Je garde mon petit, voilà, vous l'aurez compris, hop, chargement. Bon, les chargements sont corrects, voilà, sont pas trop lents, c'est moitié-moitié. Pourrait être plus rapide, mais comme je dis, vu que la map est assez grande, ça se comprend. Alors, on a 5 points, apparemment. Alors, je sais pas si c'est les checkpoints, ou si c'est des points de récupération. Je pense que cette fois-ci, c'est les checkpoints. Donc, il faut qu'on aille plus vite qu'eux, j'ai l'impression. Un vrai homme. Oh là là, les féministes vont tellement adorer. Toi aussi, ils sont un gros bof machiste. En plus, venant d'une femme disant ça, je trouve ça extraordinaire, quoi. Allez, donc là, c'est une course. On va essayer de les battre. J'ai envie de les foutre dans le mur, lui. Oh, attention, il y a une IA. Oh, dommage, j'aurais voulu le mettre dans la caravane. Oh, on est côte à côte. Vas-y, passe. Et là, on a eu un bug, on entend plus le moteur.
J'ai besoin de plus avoir de moteur là, depuis le choc. Pas de temps à perdre. Vous avez vu le bruit que fait mon véhicule? C'est bizarre. On a perdu, on a terminé deuxième. Du coup, on va falloir recommencer. On va redémarrer, on va essayer à nouveau. Voilà, donc on voit la Black Magic, c'est déjà fait, on passe à autre chose. Ouh là 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 là, la biche, elle a pris ce qu'il fallait là. Continue, prochain checkpoint. Allez, checkpoint passé. Pas de temps à perdre. Bon, le temps de niaiser là. Alors, du coup. Ah eh, c'est quand même dur, mine de rien, les courses. Hein. Je trouve que c'est vraiment là où je galère le plus parce que franchement, ils ont une vitesse qui est assez similaire. Bon, prochain checkpoint, on va faire gaffe. Parce que tout à l'heure on s'est planté lamentablement. Je dis ça et je suis quand même planté. Bon ben, il va falloir recommencer parce qu'on est trop lent. Bah, par contre le mode course est vraiment est un pic de difficulté assez monstrueux. Hein. Vraiment. Hein. Là, je suis un petit peu plus lent parce que j'ai raté du temps au départ. Et c'est perdu, hein. Je termine 3ème, il faut que je recommence à nouveau. Ouais, les courses l'IA est quand même très très forte. On va retenter. Ah, vous avez vu quand on joue, on a... Quand on lance le menu, je sais pas, je vous ai dit de faire attention un petit peu aux sonorités du menu. En fait, ce qui est pas bête, c'est que si je les empêche de prendre le checkpoint, ils sont obligés de faire demi-tour. Oh, je fais n'importe quoi, voilà, et du coup, je me retrouve dernier. Voilà, c'est terminé. Je peux déjà faire redémarrer puisque je sais déjà que j'ai perdu. C'est là où je pense que peut-être le passage de vitesse aura son impact. Oui, par exemple, une des deux IA là n'a pas pris de checkpoint. Donc, du coup, bah, elle s'est faite avoir. T'as presque plus de temps. J'ai presque plus de temps, bah ouais, mais. Moi je veux bien, moi. Continue, prochain checkpoint. Ah, il me pousse. Il m'envoie valser, le pauvre. Va au prochain checkpoint. Allez, on va passer par là. Allez, prochain checkpoint. Ah, il s'est loupé. J'ai mes chances. Ouais, c'est bon. C'est bon, là ça devrait aller. Alors, un amateur qui va traverser au bon moment, évidemment. Voilà. Il y a qui est juste derrière hein, sur la map, on voit le petit point bleu. Et on regagne. Voilà, bah écoutez, on a réussi la mission. Après 3-4 tentatives. Mais vraiment, voilà, comme je vous dis. Là, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Allez, on va se quitter là-dessus. On va juste voir de quoi parler à cette émission quand même. Bon, on s'est pas mal débrouillé et maintenant on sait que notre dealer d'armes est aussi le roi des moteurs. Certains de ses moteurs phénoménaux étaient dans un avion. Il a été battu par les gars de la frontière. Va les récupérer et déposer à ses camions. Eh ben, ça vous verrez si vous avez pris le jeu ou voilà donc. Peut-être pour une prochaine fois. Petite question que je me pose quand même, c'est est-ce que si on prend une team différente, on a des missions un peu différentes? Ça pourrait être pas mal, ce qui fait que si on fait toutes les teams, ben on aura quand même pas mal de missions. Voilà, c'est la dernière question qui reste en état. En tout cas, vous aurez compris, Smuggler Raid, un jeu vraiment sympa, que je conseille, vraiment amusant, si vous aimez évidemment ce genre de jeu. Je vous dis donc à la prochaine, ciao tout le monde!